Bonjour et bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo qui porte sur la conception d'escalier. Si vous n'avez pas vu les trois autres vidéos, je vous invite à le faire. La première, elle portait sur le choix de la méthode qu'on va utiliser pour faire la conception de notre escalier. La deuxième, sur le paramétrage. La troisième, sur la conception de l'environnement. Et puis bah, là, on va embrayer avec la conception de l'escalier. Alors, normalement, vous avez un projet qui est fait, on a la méthode, escalier droit, et puis l'environnement. Donc cette fois-ci, on va créer un nouvel assemblage qu'on va appeler escalier, et on va mettre en document de fond donc l'environnement. Pour pouvoir mettre en document de fond l'environnement, il faut simplement l'ouvrir et aller dans Fichier, document de fond. Là, vous pourrez le sélectionner. Alors on peut le mettre en transparence ou pas, c'est vous qui voyez. Alors il est positionné vraiment dans l'affichage dans lequel il est resté quand vous l'avez conçu. C'est-à-dire que là on voit l'esquisse, on voit un certain nombre de choses, on pourrait en voir plus. Et là Topsid a créé un nouveau dossier qui s'appelle Fond, dans lequel vous voyez l'environnement. Alors quelques précisions là-dessus. La première c'est que vous pouvez avoir plusieurs fonds, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. À tout moment, on peut cacher le fond, changer la transparence et bien sûr l'isoler. Le document de fond, c'est un bloc, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire dessus. Néanmoins, il y a une petite porte qui est ouverte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer des éléments. Par exemple, là, je pourrais rajouter un filtre qu'on va appeler mur. Et je pourrais en créer un deuxième qu'on pourrait appeler sol. Et à tout moment, on peut les appeler ici, mur sol. Voilà, c'est la seule petite chose. Alors, on va continuer avec notre escalier. Pour cela, on va utiliser la méthode de conception qu'on a réalisée la dernière fois. Pour l'utiliser, c'est simple, on la fait glisser tout simplement. Là, on nous invite à demander une hauteur à monter. Alors, on pourrait saisir une valeur si on la connaît. Sinon, on va pouvoir directement la récupérer sur le modèle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ces trois petites choses, elles sont très intéressantes. La première, c'est valeur mesurée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur une géométrie, celle que vous voulez, sur notre dessin, et Topsoid va automatiquement bah, mesurer sa valeur et la mettre ici. L'inconvénient, c'est que si la valeur vient à changer, ça ne change pas. C'est-à-dire que c'est non associatif. Là, vous pouvez faire la même chose, mais de façon associative. Cette fois-ci, là, on donne l'arête. TopSolid s'attache à celle-ci. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si l'environnement vient à changer, eh ben, votre méthode changera aussi. C'est pour ça que je vous disais que dans cette méthode de travail, c'est très simple de réemployer l'escalier. Parce que là, même si on s'appuie sur la géométrie, là, très rapidement, on peut dire, bah, finalement, moi, je veux que ça fasse 2440. Parce que mon nouveau projet, ça fait 2440. Voilà. On va se remettre dessus. Ensuite, la hauteur de marge, on va laisser comme ça. Et enfin, on va laisser le giron. On valide. Donc, on pourrait faire un assistant aussi qui va faciliter le positionnement. Bon, je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Là, on va venir le positionner le plus simplement du monde possible. C'est-à-dire ça ici, ce plan contre le mur. Et celui-là contre ce mur-là. Et voilà. Hop. Maintenant, on va concevoir notre escalier directement là-dessus. Alors là, il y a plein de façons de faire. Ça reste un escalier, donc on fait un peu ce qu'on veut. Là, par exemple, je pourrais choisir de le dessiner plutôt à la fibre neutre. Donc on va prendre le bon plan. On me dira que c'est un escalier qui va faire une largeur, je sais pas moi, de 900. Donc on va le décaler. 450. Tac. On va pouvoir dessiner une première marche. Donc clic droit, pièce en place. On va l'appeler marche. Clic droit, esquisse. Et là, je dessine ma marche. Donc là, c'est intéressant parce qu'on ne va pas lui donner le giron. Le but, c'est de s'appuyer vraiment sur le modèle, sur l'objet paramétrique qu'on a défini.
Voilà. On va l'extruder. Hop. Et on a dit que ça allait faire 900. Et valider. On pourrait lui mettre une matière aussi. Voir si j'ai des choses intéressantes de mon côté. Bois. Chêne. Hop, ça ira très bien. Et on valide. Ensuite, on pourrait créer le limon ou faire la répétition de marche. Alors, la répétition, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu l'intégrer dans l'objet qui est paramétré ici. D'ailleurs, ça aurait été même plus intelligent, ça éviterait de le refaire à chaque fois. Sinon, c'est assez simple à faire. Regardez, on dit qu'on va répéter la marche. On va créer un motif sur profil, par exemple. Le profil étant lui. Le point d'origine, c'est ça. Et le point d'arrivée, c'est ça. Et le nombre, on va faire un paramètre relais. Relais réel. Alors, passons sur l'environnement. Mais plutôt là-dessus. Et on va récupérer le nombre de marches que j'ai pas mis. Alors, comme je le disais, c'est du live. Donc, j'ai simplement fait un petit oubli. On va aller éditer la méthode et on va faire directement le motif à l'intérieur. Donc, construction, motif sur profil. Le profil, il est là. Le point d'origine, il est là. Le nombre, c'est le nombre de marches. Nombre de marches. Voilà, on obtient ça. Et on valide. Alors on met bien en numérotation alternée pour que la dernière marche soit différente. Et on valide. Là, on va pouvoir le publier. Donc on va aller dans Outils, Publication, Publication, et on va choisir Publier motif. On sélectionne le motif. Et on valide. On sauvegarde tout ça. On sauvegarde celui-ci, on retourne là, on fait un contrôle-R, clic droit, publication, montrer les publications. Maintenant c'est beaucoup plus simple, on va sélectionner notre marche et le motif, on va simplement s'approcher de ça et on va avoir notre répétition. Alors là ce qu'on voit c'est qu'on va avoir une dernière marche, bon tout dépend si vous voulez intégrer une marche palière ou pas dans cet escalier. Si toutefois vous voulez exclure cet élément, on aurait pu faire une exclusion au niveau du motif, où on peut utiliser aussi la suppression associative qui est là. Et on se retrouve avec ça. Voilà, bon, les deux sont possibles. Là en l'occurrence, on va peut-être la laisser. Et on va juste décaler. Éditer le positionnement, on va juste se décaler du mur de 100 par exemple, et on éditera la dernière marche. Donc pour éditer cette dernière marche, on va faire un clic droit dessus, autre, et on va mettre dériver pièce pour modification. Là du coup cette marche, Topsy nous a créé une autre pièce. Voilà, c'est la deuxième qui est ici qu'on ne voit pas encore. Et cette fois-ci, on va pouvoir ajouter une petite limitation. Donc on va limiter la marche par rapport à un plan qui est ici. Bon, au niveau de notre escalier, on pourrait rajouter d'autres choses, hein. Par exemple, on pourrait rajouter un limon. Hop. On va juste le mettre là-dessus. Bon, tac. Voilà, 160 par 80, c'est parfait.
On va pivoter de 90. Et on va le décaler sur la hauteur de, je sais pas, 250. Histoire qu'il dépasse les marches. Et on valide. Bon, là aussi, on pourrait le limiter. Hein. On va le limiter une première fois. Alors, ça risque d'être un peu compliqué en haut. Non, c'est pas grave. Alors, on va le limiter par le mur. Bon, on rajoutera une platine, donc on va le décaler de 10. Et on va le limiter par le sol. Le décalage, je l'ai pas fait dans le bon sens. Donc 10 et 10. Voilà. On va créer ensuite le support de marche. Donc clic droit, pièce en place. On va faire un support tout simple. Pourrait dire qu'il va venir ici, qu'il va venir sur la marche, qu'il va aller se positionner là. On va dire que c'est une tôle. On va juste bien choisir comment on va l'extruder vers l'intérieur. On va la mettre en 4. Ici 100, ça me paraît pas mal. Alors, bon, on reste quand même dans tous les avantages de la conception en place, hein, c'est-à-dire qu'à tout moment, là, je peux venir isoler ma pièce. Tac. On va pouvoir faire des opérations dessus, par exemple, on pourrait dire que je vais la déplier. On pourrait redessiner une esquisse dessus. On va repositionner ça, ce sera plus simple. Point d'origine. On pourrait travailler par symétrie. Tac. Ça, je me rappelle plus combien ça fait. Je crois que c'est 80 de large. Et ça, je sais pas combien on pourrait mettre. On pourrait mettre 50. On pourrait rajouter une petite parallèle là-dessus. À 100, par exemple. Et on va faire une petite limitation de tout ça. Voilà. Et on va terminer par replier. Donc, repliage. Et là, je me retrouve avec exactement ça. Bon, il y aurait un petit ajustement à faire sur la partie arrière, mais je pense que vous avez compris le principe. Au niveau de la répétition, ben, on pourrait faire la même chose. On répète tout ça. Bon, bien entendu, on a un petit problème sur le dernier, donc là, il faudrait faire un support sur mesure. Donc on va le supprimer et on pourra le recréer à la main. Bon, voilà les grandes lignes de cette conception. Alors comme je disais, si on veut faire quelque chose de propre, après bah, il est nécessaire de remonter l'environnement plus l'escalier, parce que là si je décide de faire une mise en plan, je vais bien sûr avoir que mon escalier. C'est pas forcément ce que vous voulez l'escalier plus l'environnement. Donc pour faciliter le remontage, la petite astuce, vous allez publier le repère absolu. Donc clic droit, publier repère. On va faire la même chose sur l'environnement. Repère. Clic droit, publier. Et on va créer le document de remontage. Donc on va l'appeler assemblage final. On va y insérer l'environnement.
et on va y insérer l'escalier. Alors, j'ai oublié d'afficher le repère absolu. Hop. Donc on y insère l'escalier. Et là, ben, on va sélectionner le repère et on va venir le positionner sur l'hôte. Comme ça, tout est bien aligné. Et là, on a bien les deux. Alors, si on veut s'amuser un peu avec tout ça, on pourrait aller dans l'environnement, dire, bon, bah ok, j'ai dessiné ça comme ça, mais finalement, je me suis un peu trompé. Par exemple, j'avais fait une petite ouverture là-haut. Je vais la décaler. Je vais plutôt la mettre à 2800. Donc là, mon environnement a changé. Je retourne dans l'escalier, TopSuite va recalculer. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il s'est agrandi aussi. Voilà. Et si on retourne dans l'assemblage final, bien sûr, tout s'est agrandi aussi. Je disais ça parce que le réemploi, il est simplifié. C'est-à-dire que si on veut réutiliser cet escalier parce que vous êtes fier de vous et ainsi de suite, rien ne vous empêche de faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc je me retrouve avec ma copie. De dire bah finalement par rapport à cet environnement entité, je vais casser le lien qui les unit. Donc je vais aller dans mon fond, je vais faire clic droit, isoler. Voilà, là TopSuite vous fait la liste de tout ce qui a été supprimé. Voilà, donc on voit qu'il y a eu des soucis au niveau des coupes. Il y a eu des contraintes qui ont sauté. Et puis voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, là, on peut dire bah, je vais éditer la hauteur de mon escalier et je vais retourner par exemple à 2400. Et là, tout s'est actualisé. Et l'avantage, il est bien là. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à en poser. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.